GN, Godfrey NH, les initiales. C'est une construction amateur qui a été faite dans les années 30. Donc elle a été fabriquée par Charles Rupert Instone en Angleterre, qui était un ouvrier de l'usine Benz en Angleterre. Et donc il l'a construit là-bas. Et c'est donc un châssis GN avec une transmission GN qui est transmission par chaîne. En fait, c'est comme un vélo, on crabote des plateaux pour changer les vitesses, chaque vitesse. Et c'est une auto qui tourne à l'alcool. Déjà à l'époque, elle tournait à l'éther et à l'alcool. Et qui est capable d'atteindre 200 km/h. C'est un petit kart. Et c'est la première fois là, qu'on la ramène et qu'on la fait rouler depuis 2 jours. Donc on a des petits soucis techniques qui sont résolus plus tard. Et c'est une voiture qui est unique et qui a un palmarès, surtout en Angleterre, en course de côte. Ce qui est bien, parce qu'on a toute l'histoire avec toutes les photos de l'auto. Et c'est une auto qui a tourné depuis 32 et qui s'est arrêtée en 2011 de rouler. Et moi, maintenant, je fais sa retraite. Voilà.